session for But it's incredible how much the city has changed. Femme chantée, les moins payés, moins fines que rasées. Prends relais, les petites lignes de l'étranger. Just to give you, those are just a couple of pictures. This is a very popular camp, but it's very small. It's called Lake Marron, but it's historically very important because it represents the freeing of the slaves in Haiti. And it's basically a small camp that was here. I can't remember how many tents there were, but you can basically see the statue here with all the tents around it. And this is what it looks like after. And this is just a picture of a cleanup operation. The other camps where you have risks of flooding, landslide, and we need no more assistance available to the people. And as I said previously, our concern is the conditions in which these citizens are living. My question actually is, so how do you see this enormous revamping as an opportunity to, in a broader sense, to improve urban development? And the capacity is also the population. As I told you, these people are investing billions in precarious neighborhoods. Where do they get the money? We need to channel all of that. And like, I know we have some indications, we have the wire transfers, but we need to channel not only that capacity, but to channel the mind, and really, we need a change of mentality. You pay just for the view. Oh, look at it. One building and then two families. And they share a bathroom. We have provided approximately $10 million so far, and we are committing additional $9 million for you to do this work in Haiti that is so much need. Dare to dream, and your dreams will become a reality. Je tiens tout d'abord à affirmer mon soutien personnel et le soutien de l'OIM, en partenariat avec beaucoup qui sont parmi nous aujourd'hui, aux familles de victimes et personnes qui ont tout perdu durant le tremblement de terre de 2010. 3 ans après cet événement tragique, les derniers chiffres publiés par l'OIM au travers de sa maîtrise de suivi de déplacement font état de 87 000 ménagers 3 ans après le séisme. Ces chiffres sont trop élevés et nous devons de travailler ensemble pour faire plus et mettre fin à cette crise de déplacement. Je voudrais remercier de façon particulière la Commission européenne pour les 500 000 euros accordés pour la réalisation du projet sur la vulnérabilité de la commune d'Etabar.
à ma qualité de maire de la commune de Tabar. Donc je déclare fermer les camps et je souhaite des bons séjours à Madame Georgia en Haïti. Merci. Je vais juste poursuivre très rapidement pour donner à tous une petite impression de quoi avait l'air le centre d'hébergement Jean-Marie Vincent il y a à peine quelques semaines et à quoi ça va avoir l'air dans quelques mois. Alors ici, on a un tableau juste à côté, plus de 200 familles qui se sont logées ici sur le site, juste derrière vous. Lorsqu'on a commencé l'intervention pour la relocalisation des déplacés, plusieurs de ces 200 familles-là s'étaient relocalisées de façon spontanée dans des logements dans la commune de Tabar, mais il restait quand même toujours 94 familles, ce qui représente plus de 350 personnes, c'est-à-dire 294 le plus précisément. Et je remercie tout le monde, les bailleurs, la commune de Tabar, l'UCLBP, HelpAge et Islamic Relief, évidemment, pour la belle construction qu'ils vont faire suite à la fermeture du camp. Alors, merci à tout le monde.